Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est... déjà on est quoi? On est le 26 mai, vendredi 26 mai 2023, et c'est la dernière session open bar de l'année, du moins de la saison. Ça reviendra en septembre comme je l'avais annoncé dans un précédent épisode. Et je voulais commencer par faire un peu le point sur tout ce qui a été fait depuis le début du projet, donc qui a commencé pour les tests en décembre, avec les premiers streams en janvier, et globalement le lancement du projet Noester qui a dû commencer en mars, avril, je crois, quelque chose comme ça. Donc, allez, c'est parti pour faire le petit point. Ça va être une session assez courte, ce que j'avouerai, j'ai pas trop planifié. Il y a quand même pas mal de choses à dire, pas mal de choses à raconter. Donc on va commencer. Alors, hop. Déjà, c'est parti sur un point. On va aller sur YouTube et on va parler un peu de ce qui a été fait. Hop. Donc déjà, depuis le début de l'année à peu près, il y a justement la page à langue Punch qui a été créée. Il y a eu donc 65 vidéos de release officiellement. Il y en a 6 autres en fait qui ont été des tests, qui n'ont pas été encore mis en ligne. Il y a eu 3 catégories, je crois. Enfin, il y a des playlists, donc amusez-vous à aller voir si vous voulez les revoir, etc. Il y a eu une session de pair programming qui a été organisée avec Martz. Normalement, il devrait y en avoir une autre planifiée avec lui pour l'implémentation de Beck32. Il y avait 28 vidéos de shortcuts. Alors, shortcuts, c'était justement les sessions courtes qui ont été créées à la place de tout ce qui est live coding. Le problème du live coding, c'est que c'était compliqué à gérer, ce que j'ai essayé d'expliquer tout ce que je faisais en même temps. Shortcuts, c'est bien plus pratique, parce que le soir, même après le taf, je peux coder 1h30, 2h pour faire des trucs assez sympas. C'est trié aussi par catégorie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait commencé l'implémentation de Gumbo, comment dire, avec du C, etc. Alors ça, c'est pas terminé. Je devais le faire un petit peu, entre guillemets, sur mon temps libre, j'ai pas eu le temps. C'est dans les pipes, mais j'avouerai que c'est pas ma priorité pour le moment. Noester, c'est un projet qui a donc commencé ouais, mars, avril. On en reparlera un peu après. Les open bar, on a 17 vidéos. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on ait que 17 vidéos parce qu'on en est au 20e. Il y en a deux qui sont pas présentes a priori. Faudra que je vérifie ça. Je vérifierai ça après. On a tout ce qui est test stream et justement ça, vous n'y avez pas accès dans les souvenirs. Ah mais je suis connecté, c'est pour ça que vous voyez ça. Et vous avez tout ce qui est coding, donc c'est live coding session, etc. Alors je sais pas si on peut voir les stats. Je sais pas où ils sont les stats. Mais je crois qu'on a 21, ouais, 21 abonnés. Ça n'a pas trop augmenté. On va aller faire un tour du côté de Twitter. Hop. Donc Twitter, c'est pareil. Twitter, on a notre profil qui a été mis en place. Donc il n'y a pas beaucoup de followers, je suis pas très actif dessus. On a 140 personnes qui nous follow dessus. Le live streaming est aussi fonctionnel. On est passé quand même de 5 followers à 18 en l'espace de 6 mois. On a quand même doublé en 6 mois, plus de doublé. Donc c'est déjà pas mal. Après on a Twitch. Alors Twitch. Alors sur Twitch, on a quand même pas mal de choses qui sont faites. Donc là, vous pouvez me voir, c'est sympa. Ça n'a pas augmenté au niveau d'utilisateurs, etc. Je crois qu'on a une douzaine de followers. N'hésitez pas à venir dessus si vous voulez. Personnellement, j'ai commencé avec Twitch et c'est pas trop mal. C'est pas le meilleur des trucs, mais c'est pas trop mal. Mais là où il y a le plus de changements, c'est LinkedIn. Et ah mince, j'y ai pas accès. J'ai pas accès, j'ai pas accès. Comment ça se fait? A priori, j'ai pas accès.
Dans la machine virtuelle, j'avais dû le bloquer pour éviter de faire des conneries. J'ai pas accès. Un truc à régler, typiquement, c'est qu'a priori, c'est pas public. Bon, faudrait que je règle ça plus tard. On a un site web, alors il est encore en mode brouillon, il y a pas mal de taf dessus encore à faire. J'avais commencé à faire du ASCII, c'est pas fini. L'autre truc qui a bien avancé ces derniers temps, c'est justement le projet Erlangpush sur GitHub. Donc, à la rentrée, je suis en train d'essayer de planifier pas mal de choses pour ça. Déjà, les grosses avancées qu'il y a eu, c'est au niveau du projet NoSTR. Je crois qu'on est passé à 13 étoiles. On était même pas 4 étoiles il y a 2-3 semaines. Donc ça commence à faire pas mal de trucs. Alors c'est pas fonctionnel, je pensais qu'en 2-3 mois, à raison d'1h30 par semaine, j'aurais eu un truc un peu plus propre. Je me suis un peu surestimé, enfin, j'ai un peu surestimé ou sous-estimé le temps en tout cas. Donc ça va être aussi à modifier, il y a pas mal de choses à faire. Pareil, j'ai pas eu trop le temps de vérifier, mettre à jour les issues. Donc pareil, je pense que je vais essayer de cleaner ça pendant les 2-3 mois là qui vont venir. Au niveau des projets, alors pour les gens qui seraient intéressés de venir, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que toutes les idées que j'ai eues pour ce projet, je les ai notées. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Si vous avez des compétences et vous vous ennuyez cet été, et vous ne savez pas quoi faire, vous voulez pas aller à la plage. Vous venez ici et vous avez de quoi faire, vous amuser, lire, voir en fait s'il n'y a pas des trucs qui pourraient vous intéresser pour coder, pour améliorer l'existant. Alors il n'y a pas tout, hein. Je sais que j'ai une autre liste à côté, il y a encore d'autres trucs. Mais déjà, il y a beaucoup de choses. Et malheureusement, comme NoSTR en lui-même n'est pas fonctionnel d'un point de vue projet pour le moment, enfin on peut faire des trucs, mais c'est pas encore ça. Ce sera que. Ouais, ce sera quand même un petit peu d'aide, ce sera cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Alors, en ce moment, je suis en train de planifier pour tout ce qui est justement les dons, tout ce qui est dons, etc. Parce que l'année prochaine, je pense que ça va me coûter beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de projets en cours avec Erlang Punch. Et actuellement, en fait, c'est un truc totalement bénévole. Tout ce que je fais est ouvert, tout ce que je fais est disponible. Et potentiellement les autres personnes qui viendront après, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont faire comment ça s'appelle, des lives ou des enregistrements à partir de septembre 2023, tout sera ouvert, si possible en Creative Commons. Donc il n'y a pas possibilité de monétiser tout ça, en tout cas je veux pas. Si vous voulez, entre guillemets, soutenir tout ça, va falloir attendre septembre, parce qu'en septembre, il y a potentiellement les financements Tipeee qui vont arriver. Alors pourquoi Tipeee? Beaucoup de personnes sont. Alors je pense que je l'ai, c'est pas encore fait. Donc je vais pas vous le montrer parce que c'est pas encore fait. C'est pas très propre de faire ça. Mais bon, en gros, je suis en train d'organiser Tipeee pour que ce soit à peu près cohérent avec ce que je vais faire avec les autres plateformes de financement. Et ce sera toujours en fait bon à prendre. Donc si vous avez l'occasion de venir dessus, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et de toute façon, tout ça sera annoncé en septembre. Parce que c'est pas. Enfin, la peinture, elle est encore très fraîche. Un petit récap sur NoSTR quand même. Donc, NIP 01 est fait et fonctionnel. Alors, c'est pas propre pour le moment parce qu'en fait, en gros, je m'amuse. Plus c'est que NoSTR, à chaque fois que je code dessus, ce que je ne connaissais pas ce protocole. J'apprends sur le tas et à raison d'1h30 par semaine, sachant que ça fait à peu près, je sais pas moi, 3-4 mois peut-être que je développe dessus, max. On va regarder ça tout de suite. Insight. Contributors. Je crois que je l'ai commencé fin mars, début. Alors, je sais même plus quand je l'ai commencé. Mais ouais, j'ai peut-être fait 12 semaines dessus. Ah oh bah alors, ça mouline. Oh, c'est pas grave.
aller directement. Hop. Donc je l'ai commencé le 3 février a priori. Et le premier code vraiment dessus, c'était les GitHub Action. C'était le 10 février. Donc en gros, on est en bientôt en juin. Février, mars, avril, mai, juin. Donc ça fait à peu près 5 mois de développement. Plutôt 4. 4. J'ai dû en fait en gros faire une vingtaine d'heures, peut-être une trentaine d'heures de développement total enregistré. Et ce qui m'a pris plus de temps, c'était justement l'implémentation de ce protocole-là, qui est en fait totalement supporté, hein. Il y a tous les tests et compagnie. Il n'a pas 100% de test coverage, mais il a un bon gros coverage pour le moment. Et donc il est fonctionnel. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil dessus. Non, j'ai fait deux articles dessus. Les articles sont pas finis, parce que justement, à chaque fois que je code le soir, en fait, je préfère coder plutôt que de faire les articles. Je trouve pas ça très intéressant de voir quelqu'un écrit un article entre guillemets. Alors il est où? C'est Neusterlibschnorr. Donc en gros il est là et tout est fonctionnel. On avait déjà fait un épisode dessus. C'est probablement le code qui m'a pris le plus de temps, sachant qu'il est pour moi de mon point de vue pas assez optimisé, mais à mon avis ça, je trouverai un peu le temps pour gérer tout ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dessus? Pour l'instant, l'architecture est aussi à refaire. Alors, vu que je commence à maîtriser un peu le NoSTR et que je vois comment ça commence à fonctionner, etc., avec les différents messages, les différents protocoles, je vais refaire toute l'architecture. On en avait déjà parlé. Et je pense que ça va être plus une architecture un peu sous forme de behavior. Où en fait on va simplement router des messages, et il y aura bah en fait en gros des actions en fonction du tel ou tel message qu'on reçoit. Donc c'est en cours de planification aussi, parce que ça va nécessiter de faire beaucoup de choses. Mais enfin, j'ai eu des problèmes sur le design initial, parce que à l'origine je voulais faire un simple client et un simple serveur. Et au final, en fait, je me retrouve à faire quelque chose qui me semble bien plus intéressant, parce que actuellement, je suis pas sûr que les autres clients fassent ça. C'est le support multi-client, enfin, multi-utilisateur, multi-clé et multi-serveur. Donc le but du jeu, ce serait entre guillemets d'avoir la possibilité pour n'importe quel type d'utilisateur d'utiliser NoSTR pour hoster différents types de relais et avoir différents types de clients. Admettons qu'un client, je sais pas pour X raison, c'est un client jetable, on crée une clé, la clé est jetée, et au moment en fait en gros la clé est jetée, s'il y a des contacts qu'on veut continuer à garder, on a un autre client qu'on peut créer facilement. À la demande, avec potentiellement une signature basée sur l'ancien certificat, je sais pas quoi et compagnie, qui va permettre en fait en gros de faire un lien logique entre les deux comptes. Pareil pour les relais. Le but du relais, c'est d'avoir potentiellement un relais par domaine. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va créer un nouveau relais, il va être associé potentiellement avec un ou plusieurs domaines. Et ça, c'est vraiment cool, dans le sens où globalement, l'utilisateur, donc le client, aura aussi potentiellement la possibilité de hoster son propre relais sur demande. Donc en gros, on a le client, on a le relais. Et va y avoir toute la partie front-end d'affaires, etc. et tout après. Donc on aura une solution totalement intégrée et complète de NoSTR. Il y a du boulot. Et à 1h30 par semaine, on va dire, enfin entre 1h30 et 2h par semaine, c'est pas sûr que j'arrive à avoir quelque chose de comme je veux au bout d'au moins un an ou deux. Déjà, il faut savoir que si vous êtes intéressé, la dernière branche à laquelle je travaille, c'est laquelle? C'est celle-là. Donc en fait cette branche là, elle est déjà vraiment pas mal. Il y a énormément de choses. C'est documenté, enfin j'ai essayé de documenter au maximum. Et tout en fait est basé sur les shortcuts. Donc si vous avez une envie de savoir ce que j'ai fait à un moment donné, pourquoi je l'ai fait, avec mes interrogations au niveau du code, les shortcuts en fait contiennent
l'intégralité de mes notes, mes commentaires, etc. Donc ça commence à faire beaucoup de notes, beaucoup de choses. Pareil, ça va nous permettre potentiellement à la rentrée d'avoir un point énorme. Je ferai peut-être peut-être pas un article, mais un compte rendu en fait de tout ça pour montrer tout ce qui a été fait. Et ça peut être intéressant. Autre truc à savoir, je sais que je l'ai déjà présenté, mais je préfère le re-répéter. On a des articles qui sont aussi publiés sur Substack et potentiellement d'autres médiums, etc. qui permettent de faire une sorte de résumé des actions qui ont été prises avec des explications un peu plus haut niveau pour les gens qui ne comprendraient pas ce qu'on fait en Erlang. Alors, il y a tellement de choses à dire à chaque fois sur le sujet que c'est pas forcément aussi très simple à expliquer. Mais mon idée du projet, c'est aussi de partager les différentes façons de travailler qu'on peut avoir avec Erlang et comment gérer tout ça. Donc là, vous avez par exemple les analyses de code, comment justement analyser les trames qui s'envoient à partir d'un client. Donc c'est un peu de reverse engineering entre guillemets. On a toute la partie justement architecture pour expliquer en fait c'était quoi les premières idées. Et donc en gros, on a l'évolution complète du projet au fur et à mesure. Les derniers en fait qui arrivent, en fait il y en a 3 ou 4 qui vont arriver potentiellement d'un coup, que je suis en train de réfléchir à écrire d'ailleurs. Donc il y a NIP01 qui va être, je crois qu'il est terminé celui-là, c'était pas celui-là qu'on voulait. C'était NIP02. Alors NIP02, c'est tout ce qui est contact list et en fait en gros ça me convient pas trop non plus comment je l'ai fait actuellement. Je pense que j'ai voulu trop diviser, trop isoler certaines choses. En fait, il y a certaines informations qui devraient avoir être dans une base de données et quitte en fait en gros à les chiffrer pour y avoir accès juste par un utilisateur, etc. Potentiellement, ce sera peut-être la meilleure chose à faire. Et vu que je vais mutualiser autant bien les fonctions pour le relais comme pour le client, il y a de fortes chances que tout cet article-là, en fait, en gros, va être réécrit d'ici sous peu. Le noise relay, par contre, il est super important. Donc, il y a toute une partie sur Cowboy et comment l'implémenter, etc., qui va être mis en place. L'idée, c'est de donner, en fait, un exemple réel d'utilisation de Cowboy en tant que back-end et dédié pour les WebSockets. Donc, ouais, je sais, Cowboy, c'est quand même plus orienté HTTP, mais c'est fonctionnel avec plus que fonctionnel avec les WebSockets. C'est ce que Phoenix, LiveView, etc. ils utilisent. Et là, ça permet en fait d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Donc, il y a tout ça à faire. Ça va arriver. Encore une fois, je sais pas quand, mais ça va arriver. Et ça permet d'avoir vraiment un exemple complet pour les personnes qui veulent. Ensuite, oula, je crois que j'ai fait une erreur dans le nom, implementing. À corriger. Le client key store, pareil, c'est un code qui m'a pris pas mal de temps. Il est globalement fini. Mais pareil, à mon avis, ça devrait être présent dans une base de données. En fait, on devrait avoir deux bases de données, potentiellement avec Mnesia par défaut, qui serait dédiée pour le relais, enfin, les relais, et pour l'utilisateur. Ou les utilisateurs. Et chacune des informations contenues dans les tables serait potentiellement chiffrée en fonction du niveau de criticité de données et serait récupérée seulement à la demande par les utilisateurs qui le voudraient, ou le relais, ou les clients qui voudraient y avoir accès. Donc voilà, Noester, c'est vraiment un énorme projet où j'ai pas l'occasion d'allouer plus de temps qu'une heure à deux par semaine. Donc c'est pour ça que ça met pas mal de temps, mais l'avantage c'est que ça me permet de me focus sur différentes étapes et essayer de rester réactif pendant 1h30 quoi. Donc je pense qu'on fera, après mon petit blabla là, on fera peut-être un petit tour sur nos STR, histoire de faire un peu de clean-up et voir ce qui déconne, etc. Donc ça c'était nos STR. Ensuite on a eu quoi? C'est vrai que j'avais fait un store sur Redbubble. Il n'y a rien encore dessus pour l'instant, je crois qu'il y a des t-shirts. Mais bon, on va pas trop aller dessus. Ah, mais si, c'est bon.
Je savais bien que c'était public. Erlang Punch. Donc, au niveau de LinkedIn, à la rentrée, j'espère pouvoir faire des streams sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Alors, c'est vrai que LinkedIn, c'est pas forcément un réseau que j'affectionne particulièrement pour plein de raisons. Mais justement, c'est peut-être l'occasion de remonter un peu le niveau et montrer en fait d'un point de vue technique et faire du bruit sur qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue technique et qu'est-ce qu'on peut faire avec Erlang encore. C'est-à-dire que Erlang n'est pas mort. Il est peut-être pas très bien en point sur certains aspects, mais il n'est pas mort. Donc, on est passé, je crois, d'une quarantaine ou cinquantaine de followers à 140 followers récemment. En partie dû parce que j'ai essayé d'inviter beaucoup de personnes, j'ai invité beaucoup de personnes dans le projet. N'hésitez pas à faire du bruit autour de vous. Le but reste encore et toujours de partager les connaissances qu'on a et essayer de faire un énorme travail sur comment développer Erlang, comment faire pour développer avec Erlang et comment faire pour l'améliorer et améliorer potentiellement la communauté qui va avec. Donc voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses encore à faire. Mais vous avez pas mal de news, etc. Donc n'hésitez pas non plus à aller, si vous êtes sur LinkedIn, allez dessus. De toute façon, les quatre réseaux principaux que je voulais être au niveau d'Erlang Punch, c'est Twitch, qui potentiellement va peut-être disparaître un jour parce que je stream sur d'autres plateformes. Après, c'est pas forcément très nécessaire d'être dessus. YouTube, qui pour moi est quand même le plus important dans le sens où on stocke tout. Twitter, parce que globalement Twitter, il y a quand même beaucoup de monde sur Twitter et c'est intéressant justement de partager sur Twitter. Et LinkedIn, parce que c'est l'objectif, c'est vraiment de pouvoir toucher les professionnels plutôt que peut-être les personnes qui sont un peu moins intéressées par le sujet. Même si le but aussi, c'est d'essayer de faire apprendre à peu près tout le monde. Erlang Punch, etc. Enfin, Erlang. Voilà. Quoi d'autre à raconter au niveau de tout ça? Je pense qu'on a fait un peu le tour. La conclusion, en fait, un petit résumé des 6 derniers mois, c'est épuisant. C'est extrêmement dur de faire justement des sessions de stream le soir. En plus du travail et tous les autres projets que j'ai à côté, parce qu'à côté, j'ai aussi les articles. C'est vrai que là, je parle juste d'Erlang Punch parce que bah, c'est le projet, en fait, le côté libre de tous mes autres projets. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est un cadeau que je fais plus qu'autre chose. Comme j'ai dit, il n'y a pas de rémunération. Si j'ai l'occasion d'avoir quelques financements pour juste payer l'infrastructure qui va être déployée prochainement, déjà rien que ça, ce sera cool. Sinon, c'est pas grave. Mais le but, encore une fois, c'est de partager. Par contre, dans les autres côtés, donc, je suis développeur, architecte système, etc. Donc c'est déjà un énorme travail parce que je travaille pour plusieurs sociétés, etc. Une principalement, mais j'ai des petites missions un peu partout. Et donc c'est pas évident de rajouter à ça plus les articles que je fais pour Linux Mag. Alors je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais je pense que si. Il y a toute une série d'articles qui a été publié justement sur Erlang, que j'avais commencé il y a quelques années, depuis 2020, et que j'ai repris depuis bah, là 2023. Donc normalement le premier article, le nouvel article qui va être publié, ça va être sur une introduction à la cryptographie avec Erlang, et ça va être publié en juillet normalement, dans l'édition de juillet-août. Et normalement, après, il y aura la rentrée sur TLS, enfin la gestion de certificats, donc comment créer son certificat SSL, TLS, etc., X509 directement avec Erlang. Ensuite, comment créer et gérer des connexions TLS et des TLS. Et là, j'ai le dernier article en cours d'écriture qui va être sur comment gérer SSH. Donc, comment utiliser SSH, la partie client, la partie serveur, etc. C'est les articles les plus durs à mon avis que je vais avoir à faire, dans le sens où c'est des aspects de sécurité. Et il y a toute une partie en fait pour essayer de simplifier au maximum, ça me prend énormément de temps. Parce qu'il y a la cryptographie, il y a les notions de sécurité, il y a tout en fait en gros ce qui gravite autour de cet environnement-là. Et de ces concepts qui sont extrêmement compliqués à mettre en place et à expliquer facilement.
Le but des articles, encore une fois, c'est pour qu'ils soient lus par tout le monde, pas par une petite élite autoproclamée. Non, c'est vraiment pour que ce soit accessible à tout le monde. Et quand les gens lisent l'article, même s'ils n'ont pas de compétences en Erlang, j'aimerais au moins qu'ils apprennent quelques trucs en les lisant, ne serait-ce que du contenu des RFC, de comment fonctionne tel ou tel protocole, d'avoir une idée même vague d'un fonctionnement d'un programme. C'est vraiment l'objectif. Et donc en fait, ces articles-là ont été vraiment prévus pour ça. Et ils ont été vraiment compressés au maximum, réduits à l'essentiel, ce qui pose pas mal d'autres problèmes qui seront potentiellement réglés avec un livre qui arrivera, j'espère, un jour, et qui va étendre énormément ces sujets-là, et qui, au lieu de prendre un projet de serveur de cache distribué un peu à la Redis, de trouver en fait un autre système. Et ou du moins pas un seul projet en fait, il y en a plusieurs qui me viennent en tête, et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs concepts et avec des patterns qu'on retrouve dans l'environnement de d'Erlang Elixir. Et particulièrement Erlang quand même. Donc, en revenant, ça me prend beaucoup de temps. Par contre, c'est ultra satisfaisant de voir en fait que les projets avancent. Typiquement, en 6 mois, j'aurais pas pensé pondre autant de lignes de code à raison d'1h30 par semaine, faire des shortcuts, faire des open bars, faire du pair programming, faire la communication, l'organisation, etc. Ça fait à peu près 6 mois maintenant que je suis non-stop là-dedans, avec justement les autres trucs qui sont à côté. C'est assez satisfaisant de voir l'avancée au niveau des projets. Et plutôt positif, dans le sens où il y a quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Personnellement, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est déjà rien de voir qu'il y a de l'avancée. Et les personnes qui viennent, généralement, ils trouvent ce qu'ils ont. Enfin, ce qu'ils cherchent. Et ça, c'est déjà une chose assez cool. L'autre chose, c'est remettre la réalité réellement. Comment dire, au milieu de la place du village, quoi. C'est parce que la plupart des personnes qu'on va regarder des émissions de développement, enfin du live streaming, etc., ou des enregistrements de dev, c'est pas réellement la réalité. La plupart des gens, en fait, ils ont déjà préparé le truc. Ils vous pondent un truc en 1 heure déjà prêt parce qu'ils ont pas appris par cœur, mais pratiquement par cœur. Il y en a beaucoup, c'est comme ça, et c'est un sentiment d'illusion qui est vraiment insupportable pour les gens qui développent. Le développement, c'est pas évident. Faire un développement qui soit simple, compréhensible par le maximum, documenté, testé, c'est un process qui est extrêmement long, extrêmement coûteux en temps, en ressources, potentiellement aussi en connaissances, parce qu'il faut toujours se mettre à jour, lire énormément de documents. C'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Et avec les vidéos que je présente là, j'espère l'avoir à peu près montré. Que par exemple, ne serait-ce qu'une feature aussi simple que NIP, je crois que c'était l'implémentation de NIP 02, qui permettait d'avoir juste une liste de contacts, n'est pas évidente parce qu'elle dépend de tout un tas d'autres paramètres, que ce soit au niveau architectural, au niveau de l'infrastructure, au niveau du protocole, au niveau du stockage des données, au niveau de la sécurité. Et donc en fait, tout ça, tout cet ensemble-là, ça fait un ensemble extrêmement complet, et c'est pas des choses qu'on répond en un short, enfin comment ça s'appelle, les vidéos, les petites vidéos qu'il y a sur YouTube de moins de 3 minutes. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a énormément de questions à se poser. Et il y a d'ailleurs une vidéo super intéressante qui a été sortie par le créateur de Clojure. Mince, comment il s'appelle? Oh, j'oublie son nom. Qui est vraiment pas mal à le sujet. Il est sorti il y a pas longtemps. YouTube. Je crois que c'était sur YouTube. Oh, je sais plus, je retrouverai la vidéo. Je l'ai peut-être ici. Attendez, je vais me connecter sur Discord. Hop. On va aller. Alors, c'est dans ressources, je crois. Ouais, c'est de Rick Hickey. Je sais plus comment on dit son nom. Cette vidéo-là, elle est juste énorme. Elle est vraiment énorme. Donc je vous invite à la regarder si vous avez l'occasion. D'ailleurs, regardez assez fréquemment les vidéos qui sont faites par Clojure. C'est juste
incroyable. Les mecs sont vraiment d'une simplicité extrême. Et cette vidéo en particulier, elle explique toute la phase du design d'une application. Et c'est super intéressant parce que déjà, moi personnellement, ça m'a permis de mettre des mots sur des actions ou des réactions que je pourrais avoir quand je design et surtout d'avoir le modèle de comment dire de design d'un gars qui a quand même codé Clojure qui est j'allais pas dire le meilleur le meilleur langage au monde mais qui a un très très bon langage et donc ça vaut le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors, je sais plus ce qu'ils design, parce que je sais que je l'ai vu la vidéo. Mais en fait, ils expliquent justement ouais, tout ce qui était au niveau des matrices de décision, etc. Et c'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment, si pendant les 3 mois, vous ne savez pas quoi faire, vous allez sur Clojure TV, vous abonnez, vous leur laissez des likes et tout ce que vous voulez. Mais surtout, vous regardez ça. Et cette vidéo-là, elle est énorme. Je vous conseille franchement d'aller la voir. Je sais qu'il y en a eu d'autres qui étaient pas trop mal au niveau de Clojure TV. Alors, je me ferais bien un peu de Clojure pour changer un peu de sujet derrière l'enclos du Clojure, soit du prologue. Parce que je comptais arrêter à 17h. Mais ça nous laisse 30 minutes. Bref, c'est pas grave. On verra ça un peu plus tard si je me décide à quoi faire. Mais cette chaîne-là, pour les gens qui sont intéressés par tout ce qui est développement fonctionnel, best practice. Et tout ce qui va avec. Franchement, je vous conseille vivement d'aller dessus. Alors, il y a des vidéos qui sont un peu vieilles 2013. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y a beaucoup de choses à voir. Le contenu, il est juste bien souvent incroyable. Et allez jeter un coup d'œil dessus, sincèrement. Donc ça, c'était pour la partie... comme d'hab, je dérive. Qu'est-ce qui est vraiment la conclusion de fin? J'espère qu'à LaundPush, ça va continuer. Déjà en septembre, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Je vais vous donner quelques mots-clés. Interview, pair programming, financement et potentiellement NoSTR qui va continuer. Open bar. Et j'ai dit quoi d'autre encore? Shortcuts. Et potentiellement plein d'autres choses. Donc voilà, on va dire que c'était pour les 30 minutes de résumé. Alors je sais pas s'il y a des gens sur. Ah, si, il doit y avoir Marthe, c'est Quentin. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Parce qu'il reste 30 minutes à dépenser. Soit on fait une OSTR, soit on s'amuse un peu à faire un peu de closure et vous expliquer un peu tout ce qu'il y a. Où je vous parle aussi de Common Lisp parce qu'il y a notre ami Mars qui voulait coder, créer son propre langage depuis un petit bout de temps. Et alors, étant fan de Clojure, un petit peu, même si je n'utilise pas assez, Clojure existe, mais pour moi n'est pas très, j'allais pas dire fonctionnel, mais il n'est pas assez bien maintenu, etc. Et j'avais proposé justement de faire potentiellement une implémentation de Common Lisp en Erlang, en pur Erlang, en fonction de la. Basée sur les spécifications ANSI. Et si j'ai l'occasion l'année prochaine de faire ça pour les prochaines saisons, il y a de fortes chances que ce soit rajouté dans les pipes aussi. Parce que ça permettrait d'avoir accès à une bonne bibliothèque de justement de modules, de librairies, de tout ce que vous voulez en fait. Et ça pourrait être vachement cool de faire tourner ça directement dans Erlang en apprenant comment développer un langage. Sachant que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, j'ai jamais développé de langage et ça va permettre aussi potentiellement moi de mon côté d'apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On a déjà vu un peu de cowboy, etc. Non, c'est pas mal. Ça vous donne une petite idée de ce qui va arriver en septembre. Allez, sur ces belles paroles, on va agir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau aujourd'hui?
Déjà, peut-être aller faire un tour sur nos STR, et s'il n'y a pas des trucs à faire. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Non, je vais laisser pour les shortcuts. Voilà, ouais, on va laisser ça pour les shortcuts. J'aurais bien voulu mettre à jour la doc, etc. Mais ça va pas être terrible. C'est vrai qu'il y a toute la partie à faire ici. Normalement, la semaine prochaine, c'est les derniers shortcuts aussi. À partir du mois de juin, j'ai mon temps à y attribuer pour autre chose. Mais normalement, la semaine prochaine, sur les shortcuts, on va bosser là-dessus. Sur la partie serveur, pour faire justement les clés publiques. Même si potentiellement, on va y avoir un souci au niveau de l'architecture que j'ai fait pour ça. Ça va potentiellement nécessiter de faire quelque chose que je voulais pas faire avant un petit bout de temps, c'est le design de Mnesia. Je pense qu'on va devoir y venir pour stocker les données. C'est vrai que j'ai voulu d'abord voir comment fonctionnait le protocole, mais ça aurait peut-être été plus intelligent de commencer par la structure de données. Enfin, la structure de données, l'état en fait, en gros, du client et du relais. Si je vais faire là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? S'il y aurait des gens ici, de questions ni rien. On a vu un peu de SSH aussi. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour sur la doc d'Erlang, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous intéresser? Ah, si, je me souviens, il y a QLC, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps avec Mars sur le serveur. Alors ça fait partie des choses qu'il va falloir que je travaille dessus de toute façon dans pas longtemps. Et il y a aussi Lex, comment ça s'appelle? C'est Lex et Yak, sur quoi je voulais travailler. 20 minutes, ça va être compliqué à faire. Ça va être compliqué à faire. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est je vais dans... Hop. On va d'abord se lire le code source de ça. Ah ben on a des tests. Mnesia QLC. Parfait ça. Alors, comment ça marche? Je vais peut-être ouvrir avec Emacs parce que sinon ça vous allez pleurer. Alors, comment marche cette chose? Alors, init testcade. Et on va s'ouvrir QLC. Mince, je sais plus c'était où par contre. Alors, comment que ça marche? Alors, QLC, qu'est-ce que c'est déjà? QLC, c'est un moyen de pouvoir faire des queries, faire des requests sur une base de données ou sur différents éléments. Comme pour ton nom, Query List Comprehension. En fait, ça va utiliser la syntaxe des listes de compréhension, ou compréhension de liste à chaque fois, je sais plus quoi, je sais pas comment on dit dans quel sens, qui vont permettre en fait de générer les données et de faire du filtrage au niveau de la partie droite, en fait, en gros, de l'expression. Et donc, ça va permettre justement de récupérer certains types de données à certains moments. Et autant je connais le concept, autant l'avoir implémenté autre que pour faire des tests, etc. et tout, j'ai jamais été creusé plus loin que ça. Donc il y a beaucoup de choses à voir encore ici. Et ça me donne envie un peu de bosser dessus. Alors je sais qu'il y a un exemple dans la doc qui est pas mal, qui explique comment implémenter ça pour je crois que c'est un système de queue.
Ah non, c'est pour les systèmes de tree. Donc en gros, c'est un exemple qui va permettre de pouvoir rajouter des éléments et d'utiliser justement la syntaxe pour récupérer les données qui ont été stockées dans le tree. J'aimerais bien faire ça pour d'autres structures de données. Dans le sens où déjà, il faut savoir que si on regarde, on a bien Amnesia qui utilise QLC. Donc il y a moyen de faire des trucs cool avec. Il y a moyen de faire carrément des trucs cool. Juste démarrer Earl pour voir. C'est quoi qu'il appelle comme objet? Des tables. Ah, et puis il faut que je travaille sur Amnesia aussi, parce que pour le coup, j'ai un article qui va arriver sur ETS et Amnesia. Et vu que Amnesia, c'est pas un petit programme, une petite base de données, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Je regarde en QLC comment ça marche en interne. Alors, j'ai pas vu qu'il y avait autant de records. Function. Code il pique un peu. D'ailleurs c'est marrant ça, il y a du ionic format partout. Donc ça c'est la gestion des erreurs. Spec info. Ok, qui sortent. Combien de lignes de code là-dessus? Oh là là, il y a du peuple. 3 800 lignes de code. Presque 3 900. Est-ce qu'il y a un behavior là-dessus? A priori, non. Ok. Ensuite. Alors, comment ça marche ce truc? Alors, ça, on définit query. Query qui est ici. Donc ensuite,
J'ai envie de tester ça. Ouais, je vais tester ça tout de suite. Alors, comment ça marche? Ouais, je n'utilise pas la langue 26, donc forcément, ça peut pas marcher. Ça marche plutôt pas mal. Marche plutôt pas mal. Donc, pour information, c'est vrai que j'explique pas trop. Comme j'ai dit, j'essaye de meubler un peu ce qu'il est 16h49. Et donc, en gros, dans 10 minutes, je vais arrêter. Mais QLC, ça permet de crafter en fait un système pour faire une query directement sur une structure de données, une base de données ou base de connaissances, etc. Basé sur le modèle des listes de compréhension. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on a pris en fait comment s'appelle, une table TS. Donc on va faire juste hop, test pour table, bref. Ok, ici, ça c'est la référence de qu'on s'appelle de la table. Et ETS table ref, si on regarde la documentation, ça va nous donner une structure de données spécifique pour justement pour faire une query. Ici. Et donc là, on a query handle qui est en fait un QLC. Et donc on a les éléments first, last, blablabla. Et ça nous donne justement les fonctions qui vont bien, donc format fun, look fun, etc. pour récupérer les données qui vont bien dans le TS en question. Alors, je crois qu'il y a une explication ici. Ouais, donc voilà, donc y a pas trop de soucis, de petites secondes. Tout, 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 tout. Juste deux petites secondes.
Pas grave. Est-ce que ça marche? Ouais. Donc, grâce à ces fonctions-là, ça nous permet en fait d'avoir accès justement aux données présentes dans la structure de données qu'on veut récupérer, et ce, directement sous la forme d'une query. Donc, on pourrait très bien faire comme ça. Comme ça. Ou encore mieux. Voilà. Donc, ça nous permet vraiment d'extraire les données, un peu comme on pourrait faire avec une query comment ça s'appelle, en SQL. Sauf que c'est un format beaucoup plus, comment dire, orienté, on pourrait dire, Erlang. Sachant qu'on pourrait très bien faire ça aussi. Hop, juste pour vous donner des exemples. Et moi, ce que je voulais voir, c'était surtout au niveau de l'implémentation de cet outil. Alors, je sais qu'il y a cette partie-là d'implémentation qu'il faudrait que je regarde. Quand même pas mal de choses à voir. Pas mal de choses à voir. Ajouter quelques petites données aléatoires au niveau de la ETS. Hop, donc on était à ref. On va mettre x, y. Et donc x. Hop, on va générer une liste de nombres. Le nombre d'éléments X, on va le récupérer via liste de points secs 1,50 par exemple. Là, on est pas mal. Donc si je refais ma query, là forcément il n'y a rien. À refaire. Et donc l'option.
Influencer. Max list size. Max click size. Ouais. Et donc, c'est dans Next Answer. On doit avoir. Ouais, c'est 10 valeurs par défaut. C'est quand même pas mal ce truc. C'est quand même pas mal. Pour faire une sorte d'outil pour du stream plutôt que d'utiliser des modules présents directement, ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est. Ouais, je suis en train de réfléchir à si je pourrais pas l'utiliser dans le projet NoSTR. Ça pourrait être intéressant. Okay. Délai de curseur. Okay. Je voulais faire un autre curseur juste pour m'amuser avec les options. Tempédir. Ah bon, ça a quoi? Action taken. Ça c'est intéressant par contre, parce qu'en fait on crée un répertoire temporaire pour stocker des valeurs. Non, même pas, je crée une autre query. Ah, mais je suis bête. C'est plutôt là qu'il faut la créer, c'est au niveau de la query. Option. Bon, je pense qu'on verra ça plus tard, ça va faire de toute façon le sujet d'un article. On verra ça plus tard à mon avis.
Sur ces belles paroles et sur ce dernier open bar, qu'on n'a pas vu grand-chose, mais regardez, jetez un coup d'œil sur QLC. L'année prochaine, je vais essayer, enfin pour la prochaine saison, je vais essayer d'organiser un peu plus les open bars pour qu'on ait de quoi se grignoter en fait chaque vendredi. Avec juste des petits exercices d'implémentation, si on n'a pas, comme on faisait en fait au début avec exercice homme. Le but, ça va être potentiellement de pouvoir réimplémenter différents trucs avec les outils en fait à notre disposition dans la langue ODB. Je vais me faire une liste d'exercices comme ça. Ça va permettre de passer le temps si j'ai pas grand-chose à dire et plutôt d'éviter de faire des vidéos où je suis en train de lire de la doc. Ça permettra d'avoir en fait vraiment une bonne idée de ce qu'on peut faire. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Une très bonne vacances pour ceux qui partent, du repos pour ceux qui partiraient pas en tout cas, et puis on se dit pour les open bar en septembre et les shortcuts ils continuent la semaine prochaine, il y en aura peut-être trois qui vont arriver la semaine prochaine, et il y a de fortes chances qu'après ce soit des rediffusions, enfin pas des rediffusions, mais je vais essayer d'enregistrer dans la semaine. Dès que j'ai un peu de temps, une heure ou deux de libre, je vais en faire et je vais les mettre dans une queue quoi, et ça va être publié au fur et à mesure sans qu'il y ait forcément de live. Ça va me permettre de me réorganiser un peu plus facilement. Dès que j'ai un peu de temps libre, travailler dessus. Et donc sur ces quelques mots, encore une fois, merci à vous pour les 6 derniers mois passés en votre présence. J'espère que vous avez quand même appris pas mal de trucs. On se dit à la prochaine. Il y aura peut-être du live aussi improvisé, mais c'est pas sûr. Je vous dis ciao ciao, à plus au mois de septembre. Bye.